parler du roman « L'éternel fiancé » d'Agnès de Zart. C'est un roman qui figure dans la première liste du Goncourt. Il faut savoir qu'Agnès de Zart a déjà publié 11 romans et elle est déjà habituée au prix puisque Un secret sans importance a eu le prix du Livre Inter, que Dans la nuit brune a eu le prix Renaudot des lycéens. Et entre autres romans, il y a aussi La chance de leur vie. Alors moi, c'est un roman que j'ai eu l'occasion d'adapter en livre audio pour l'association d'aide aux malvoyants Valentin Haoui. Et j'ai pris un tel plaisir à le lire à voix haute. Enfin, c'était vraiment incroyable, quoi. Donc en fait, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. J'avais pas prévu à la base de faire une chronique. C'est autant l'histoire que la forme qui est assez éblouissante. Elle invente, elle a vraiment une inventivité dans son langage. Il y a des choses, des trouvailles. Je vais juste vous dire les questions-réponses et vous comprendrez si vous lisez le roman. C'est complètement génial et même moi je me suis dit mais c'est vrai ça, pourquoi on ne fait pas comme ça dans la vraie vie? Enfin bref, c'est un exemple parmi d'autres. L'histoire est hyper touchante, en fait c'est une histoire d'amour qui se passe un peu sur toute une vie, mais une histoire d'amour pas partagée, on pourrait dire ça comme ça. Je ne veux pas vous en dire trop non plus parce que c'est un roman choral où il y a plein de personnages qui s'entrecroisent. C'est beau, c'est triste, c'est hyper engagé émotionnellement. Ça parle de mort, de filiation, de paternité. D'originalité, de vie, c'est vraiment, ouais, j'ai trouvé que c'était un roman vraiment superbe. C'est vrai que c'est un roman court, donc j'avoue, je préfère même pas trop vous raconter l'histoire parce que vous le découvrirez, et puis parce que ça, c'est aussi le plaisir de découvrir tout ça. Je vais vous lire un passage qui se passe plutôt au début du roman. L'héroïne a eu un accident grave et sa sœur lui a acheté un bouquin pendant qu'elle est à l'hôpital. C'est la libraire qui me l'a conseillé, dit Dora en me tendant un énorme volume que je peine à tenir. Je n'aurai pas la force de le porter, je le sais, et Dora aussi le sait. Elle le reprend presque aussitôt. C'est moi qui te le lirai à voix haute. Comment ça s'appelle? La montagne magique. Qu'est-ce que tu as dit à la libraire? Que tu étais malade à l'hôpital? Et ça parle de quoi? Des gens malades à l'hôpital. Tu es sûre? Le titre, on dirait plutôt celui d'un conte de fées. Tu ne t'es pas trompée? Non, regarde, c'est écrit derrière. C'était cher? Oui, très cher. Mais c'est vraiment celui-là que je voulais, c'est moi qui l'ai choisi. La libraire n'était pas d'accord. Vas-y, commence. Chapitre 1er, arrivé. Un jeune homme simple quitta sa ville natale de Hambourg au plus fort de l'été, pour se rendre à Davos, dans le canton de Grison. Il partait pour 3 semaines en visite. Hors de Hambourg, jusque là-haut, le voyage est long, et à vrai dire, il est même trop pour un séjour si bref. Ça a l'air bien. Je sens qu'il va y avoir du suspense. Dora n'aime pas lire, ce qui désespère mes parents. Pour l'encourager dans ses efforts, nous lui disons les uns et les autres, au moment de lui conseiller un livre, « Oh, tu verras, il y a beaucoup de suspense. » « Oui, » dit Dora. Et le menton tout tremblant, elle ajoute, en fait, je ne l'ai pas choisi à cause de l'histoire. C'est maman qui a eu l'idée? Non. Papa? Non. Lise? Non. Alors c'est la libraire, finalement? C'est moi, mais pas à cause de l'histoire, précise de nouveau Dora. J'ai pris le plus gros livre qu'il y avait. Et elle se met à pleurer sans bruit. Elle me regarde. Elle regarde le livre, elle me regarde. Par je ne sais quel sortilège, elle a relié la longueur du roman à celle de mes jours. Je ne pense pas qu'elle en soit consciente. Je pense aussi que je suis la seule à ne pas m'être vue mourante, intubée, inanimée. Contrairement à mes parents, à mes sœurs, je ne suis pas rentrée à la maison le soir, venue en songeant à l'autre, la malade, celle qui est à l'hôpital, qui ne parle plus, ne marche plus, ne mange plus, ne se douche plus, ne va plus aux toilettes, ne pleure plus, ne rit plus. Celle qui ne fait que respirer et qui peut... caprice ou fatigue, décidé d'arrêter. Je n'ai pas eu comme eux à accomplir les tâches du quotidien en songeant qu'à la même seconde, l'autre, la malade, a peut-être cessé de vivre. Je n'ai pas eu à trouver la force de dire « Bonjour, oui, ça va, et vous ?» 20 fois par jour, à des gens qui ne se doutent de rien et à d'autres qui savent, mais aux yeux desquels on ne veut rien laisser paraître. Faudrait que je demande pardon, mais je sais que c'est impossible.
Le mal est fait. J'aimerais, comme en musique, pouvoir tout reprendre à partir du début. Quand je sors de l'hôpital, nous abandonnons le quatuor de Fanny Hensel Mendelssohn. Lise est passée à autre chose. Elle a rangé son alto, elle ne pense qu'au garçon, soupire, mon père. Dora s'est mise au piano. À la rentrée suivante, on n'a plus besoin de déplier le canapé. Lise est pensionnaire dans un lycée à 3 heures de chez nous. Fidèle à la tradition familiale, elle rate souvent le train qui devait lui permettre de rentrer le week-end à la maison. Je dors dans sa chambre et Dora occupe seule le sofa. Elle pose un drap sur les coussins. Plus jamais les ressorts du convertible ne grincent. Leur couinement me manque davantage que ma sœur aînée ne me manque. Je regrette le temps où tout semblait devoir durer éternellement. Quand je sors de l'hôpital, l'enfance a pris fin et j'ai l'impression que c'est à cause de moi.